Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de business et spiritualité avec mon ami Polo, Paul Pironet. Merci beaucoup d'être là, mon Polo, une nouvelle fois. Très heureux de partager avec vous encore mes sensibilités autour de cette notion de réussite, succès et spiritualité. Je te remercie énormément et je m'estime encore une fois très chanceux de t'avoir avec moi et j'espère qu'on va partager des choses qui vont pouvoir vous aider, vous donner des idées et vous aider à progresser dans votre vie. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, mon Polo, qui me passionne, qui est les mécanismes de succès. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on a un projet, par exemple? Qu'est-ce qu'on peut faire pour réussir ce projet-là? Est-ce que toi, tu as des mécanismes de succès que tu utilises pour toi? Est-ce qu'il y a des choses à faire, à ne pas faire? Qu'est-ce que tu fais, toi, pour réussir quelque chose? Alors, je vais partir de la chance que j'ai d'accompagner un très important de personnes, de le faire depuis 31 ans maintenant. Et effectivement, il y a des mécanismes que l'on retrouve chez des personnes, quand on les voit vivre au quotidien, qui vont nous faire dire « oulala, cette personne, elle est partie pour aller vers du succès » ou d'autres pour se causer pas mal de problèmes. Tu as identifié aussi des signes et des potentiels de gens absolument, qui pouvaient réussir. Absolument, ça se voit quand on sait quoi regarder, ça se voit en très peu de temps. À la manière dont tu vas me parler d'un événement, par exemple, il y a des choses qu'on va tout de suite saisir et qui vont tout de suite nous informer si oui ou non t'es bon pour y aller ou c'est mal enclenché, quoi. Alors, quels sont ces mécanismes? Donc, ces mécanismes-là, tu les associes à ces signes-là ou tu différencies deux choses? Parce que pour moi, derrière mécanisme, mais Est-ce qu'il se passe à l'intérieur? Voilà ce qui se passe. Oui, c'est une stratégie. Et ce qui est vachement intéressant aussi, ce dont tu parles, sont les signes extérieurs. De cette stratégie. Alors, à la manière dont tu vas me parler, par exemple, d'un projet ou d'une personne, ça peut me donner des informations importantes que je vais proposer d'évoquer là maintenant. Excellent. Et qui permettent évidemment de comprendre assez vite si oui ou non je suis en phase pour aller vers du succès ou pas. Je pense qu'il y a beaucoup de cas où on se crée notre succès. Enfin, il y a quelque chose qui fait à l'intérieur qu'on est plutôt ouvert à aller vers du succès. Et il y a malheureusement des freins dans lesquels on entre parfois. C'est un peu contre-intuitif d'ailleurs, hein, et qui vont justement réduire ce succès. Alors, quels sont ces éléments? Pour moi, le premier élément, c'est la responsabilité qu'on va prendre à l'égard des événements. Ça, c'est une première clé de succès. Je viens de te dire, c'est l'élément premier que je vais repérer chez une personne. De ne pas se positionner en victime? Par exemple. Ouais. C'est-à-dire, quand elle vit une contrainte, où est-ce qu'elle met son attention? Est-ce qu'elle est externe ou interne? Dit autrement, est-ce qu'elle, par exemple, elle va effectivement rejeter la responsabilité à l'extérieur? Ou est-ce que je sens... C'est la faute d'un tel, machin. Alors, par exemple, ça va être la deuxième étape. Ouais. C'est pas moi, c'est les autres. Ouais. Hein, c'est la première mécanique qui m'indique, là, pour le coup, qu'elle est mal barrée. Et la deuxième, donc l'inverse, c'est je prends la responsabilité. Alors, évidemment qu'il y a des fois, dans l'environnement, on a des contraintes dont on n'est pas responsable. Il y a une grève, des trains, je ne peux pas prendre deux trains pour me déplacer sur Lyon, je n'ai pas la main là-dessus. Après, la véritable responsabilité que j'ai, c'est qu'est-ce que je fais de cette situation? Est-ce que je passe... Alors, je peux toujours critiquer, ce qui serait la deuxième étape, hein, de ne pas prendre ses responsabilités, ça va être ensuite de critiquer, voire même de me traiter en victime. Mais quel comportement tu choisis de mettre en place face à cet événement? Voilà, ou l'autre idée c'est qu'est-ce que je fais de cette situation et du coup comment je vais interagir avec cette situation? Comment je vais interagir au niveau de ma tête, au niveau de mon cœur et au niveau de mes comportements? Donc ça s'observe, ça se voit très vite. Donc j'ai envie de dire le premier point important c'est cette notion de responsabilité. Ça veut dire par exemple que tu dis ça s'observe, tu vois des gens qui vont se plaindre par exemple ou que... À la manière dont la personne va interagir dans sa vie quand elle a une contrainte, quand le gars devant n'avance pas, ça m'en dit long sur la manière dont elle interagit le plus souvent puisqu'elle va développer des automatismes, tu vois. Alors une fois, deux fois, mais en fait la réalité c'est qu'on vit et on réagit aux événements en fonction de ce qui se passe à l'intérieur, pas en fonction de ce qui se passe à l'extérieur. Donc ça, c'est vraiment le premier point. Oui, c'est cette notion de responsabilité. À quel niveau de responsabilité la personne est aujourd'hui face aux situations qu'elle... Alors, il n'y a pas de culpabilité à se rendre compte qu'on est parfois critique ou quoi que ce soit, parce que c'est quelque chose qu'il va falloir apprendre à transformer. Mais pour le transformer, on va voir qu'il faut d'abord l'aimer. Alors, la deuxième chose, à partir de cette responsabilité-là, c'est un ensemble de points qui vont être centrés sur l'écoute, à la fois de moi, au fond... de mes importants. Donc on va voir que des gens qui vont avancer ont un sens
des priorités, que ce soit par rapport à leurs valeurs, par rapport à l'objectif, par rapport à leurs relations. Et pour s'écouter, il faut se connaître. Absolument. Donc là, il y a le travail évidemment de découverte, comment ça fonctionne. Mais pour moi, cette deuxième chose, c'est cette qualité de relation que j'ai avec moi-même ou avec les autres. Donc, s'écouter, s'honorer, respecter. Se respecter, se prendre en compte. Pour moi, c'est vraiment un deuxième vecteur qui va être très, très important. Okay. Parce que quand les gens vont avoir des difficultés, un des freins majeurs, c'est d'entrer justement dans des propos, dans une communication qui est dévalorisante à l'égard d'eux-mêmes ou des autres. Et du coup, qui va très vite les desservir. Et on va voir que la croissance, c'est vraiment, ça passe à travers l'interaction qu'on a avec soi, avec l'environnement, avec ses projets, avec ses objectifs. Et c'est cette qualité d'interaction qui va faire que, du coup, on grandit ou au contraire, on rentre dans des phénomènes de fuite ou d'attaque, et par conséquent, qui vont entraîner pas de la construction, mais de la destruction. OK. Voilà, donc cette qualité de relation est très importante. Après, il y a beaucoup de choses qui vont jouer à la fois dans ma capacité à mobiliser une énergie positive ou pas. C'est-à-dire que, à la manière dont tu vas me parler d'un projet, je vais voir dans quelle énergie tu es. De la motivation. La motivation, mais aussi de l'essence, la vibration dans laquelle tu es. Tu vois, si tu penses par exemple à une personne que tu apprécies beaucoup, ou si tu penses à une personne avec qui c'est compliqué, eh bien, tu vas voir que ta réaction physique, physiologique, n'est pas la même. Tu vas vibrer différemment, ton regard Absolument. Va changer. Et quand tu dis « on va vibrer différemment », c'est-à-dire qu'il y a des micro-comportements qui ne vont pas être les mêmes. Il y a beaucoup plus de chances que si tu ne sois pas bien intérieurement, sauf si tu as appris à travailler sur l'interaction, mais naturellement, tu vas avoir probablement des réactions de retrait, d'attaque, qui vont évidemment nuire à ta capacité à gérer cette problématique. Voilà, donc apprendre à remonter la chose, c'est-à-dire cette énergie intérieure, ça c'est un vecteur très très important de mécanique de réussite. Et puis après, c'est la responsabilité que je vais avoir à l'égard de l'environnement, quel que soit le niveau d'énergie dans lequel je suis. Je ne vais pas rencontrer autour de moi forcément des gens qui sont en phase. Et donc il va falloir que j'apprenne à interagir de manière constructive, de mettre de la vigilance, de l'attention, du raffinement dans les modalités avec lesquelles tout peut se dire, mais pas n'importe comment. Et c'est là que l'art de la communication peut faire une grosse différence. J'aime beaucoup aussi quand tu dis, en fait, ce que tu mets un peu en lumière, c'est que notre monde extérieur, les résultats qu'on a dans notre vie découlent de notre monde intérieur. Absolument. Et ce, très souvent, dans une dimension bien plus élevée qu'on l'imagine. Super. Pourquoi ? Parce que le préconscient et l'inconscient, on pourra en parler dans une prochaine vidéo, mais ouais. A un impact très très important parce que nous sommes d'abord très automates, c'est-à-dire qu'il y a énormément d'automatismes que nous avons, et ces automatismes, ils sont très influencés par la qualité de ce que nous vivons. Super, mon Polo. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter ? C'est déjà pas mal. Oui, une petite dernière chose, c'est ouais. Que faites juste l'expérience d'inspirer, de remonter, de caler votre énergie sur quelque chose de beaucoup plus positif, et vous allez vite vous rendre compte que vous soyez dans un bouchon, dans la queue d'un magasin, au téléphone avec vos enfants, etc., ça va changer la manière dont vous êtes en rapport avec l'environnement. Expérimentez, vous allez voir. Souvent, le switch se fait à très peu de choses, une musique, un truc de téléphone, une respiration, comme tu le dis, tout peut changer, juste avec un petit détail aussi. Et ce facteur intérieur, évidemment, va faire une grosse différence. Je te remercie énormément, mon Polo. Avec grand plaisir. Pour cette vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez appris plein de choses et que vous avez kiffé. N'hésitez pas à partager, à liker, à laisser des commentaires. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Business Espion. On vous adore et au plaisir de vous retrouver. À bientôt. Ciao, ciao.